J'ai la possibilité d'entrer sur mon pied fort et de frapper, de faire la passe décisive, de percuter. C'est plus facile pour moi de jouer à gauche. Voilà. Et avec beaucoup de repères dans le centre de formation, j'ai aussi beaucoup joué, j'ai aussi beaucoup tourné quand j'étais en centre de formation, quand j'étais jeune. Donc aujourd'hui, c'est ça qui me permet un peu aussi de bouger un peu de partout. Et des fois aussi, c'est des solutions qui me permet aussi de progresser dans ces postes-là. Oui, en plus, c'est quelqu'un que je côtoie aussi de temps en temps dans la vie de tous les jours. Et voilà, il me donne aussi des conseils. C'est quelqu'un qui a aussi marqué l'histoire de ce club. Donc oui, c'est vrai qu'il faisait très bon travail. Et de temps en temps, ça fait plaisir de rester à côté des gens qui t'inspirent. Non, rien à voir. De toute façon, il faut poser cette question à mes partenaires. C'est comme ça que je suis. Ce n'est pas parce que je ne souris ou rigole pas que voilà, j'ai un peu. Non, je suis concentré à ce que je fais. Voilà, je suis là pour l'objectif de faire les choses bien et de faire gagner l'équipe et de progresser individuellement. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens, il faut me côtoyer pour me connaître. Non, pas. Je ne veux pas dire que ça m'énerve, mais voilà, j'aimerais jouer plus comme tout footballeur. J'aimerais être sur le terrain et avoir plus de temps de jeu. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, plus je joue, plus j'apprends, plus je progresse, plus je prends de la maturité dans le jeu et voilà l'expérience, tout ce qui va avec. Après, quand je suis sur le banc de touche aussi, ça me permet d'analyser les matchs autrement. Et voilà, je suis quelqu'un qui est. Quand je suis sur le banc de touche, je suis vraiment concentré parce que je sais que je mérite d'être sur le terrain. Donc si je suis sur le banc de touche, j'ai ce devoir d'être concentré à entrer et à faire mon travail correctement. C'est bien de jouer. Plus tu joues, plus tu apprends, plus tu t'exprimes. Donc c'est tout ce que c'est mes objectifs de cette année, d'avoir plus de temps de jeu et voilà, de progresser petit à petit. Bon, de nos jours, plus tu es efficace, plus tu es titulaire. Donc je pense que il faut que je travaille encore un peu plus dans mon efficacité et mon travail défensivement, que je pense ces derniers temps j'ai fait beaucoup d'efforts et ça commence à payer, parce que plus je pense que plus tu travailles, tu as la récompense derrière.